Eh merde. On charge le matos et puis on va passer une boulangerie pour prendre des forces, puis let's go. Oh là 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 là! Et en plus, il y a des vagues, tu vois. Ouais, ça c'est vraiment dingue. Oh mec! Frein moteur, je le fume. Mec, c'est ouf la vue, gros. Putain. On va se gaver. Putain, mec, c'est gavé où encore là? C'est à 14h, mec, c'est dans. Ah ouais, ouais, mais c'est 4h quoi. C'est dans 5h. Ouais. Bon bah rentre, le soleil est là hein. Celle de derrière là elle est grave hein. On vient de sortir de notre première session, première journée. On a fait 4h30 dans l'eau, seul problème. La bord de Lyon, elle a eu un petit problème, elle était toute neuve, il l'a pliée en deux, trop deg, mais franchement sinon à part ça, ça arrive à la fin de la session, 4h30, donc c'est chiant, mais au moins il s'est gavé avant, moi je me suis gavé aussi franchement, j'ai pas pris la GoPro, donc j'aurais pas d'image de la session, mais franchement cette première journée, elle était insane, et je pense que les prochains jours, je pourrais vous filmer ça à la GoPro. C'est bien fait déboîter, c'était bien solide, il y avait un bon 2 mètres, la vague était parfaite, interminable. Moi j'en ai mort. C'est ouf. Mec, l'objectif il est zinzin gros. Ouais. Mec, c'est ouf. Mec, là, la dernière vidéo de notre influence, regarde son drop. C'est débile. J'avais espoir que c'était ma planche. C'est tellement beau par contre. Ah c'est insane mec. Il y avait encore des mecs dans l'eau il y a genre 10 minutes là, je les vois plus, je sais pas s'ils sont sortis mais. Mec c'est des zinzins. Oh là mec, j'ai un 7 mec, il est débile. C'est chiant juste ça tremble comme j'ai pas de stabilisateur mec. Ouais. Ouais ça tremble de zinzin. J'essaie de le stabiliser. On y va? Let's go. Je sais que ça marche. Du coup, on va retourner là où on était hier. Je vais prendre la GoPro cette fois. J'espère avoir des vagues. Oui, il y a l'air d'avoir genre un ou deux gars dans l'eau. Donc... ça va être grave. C'est solide encore. Ils sont deux, non? Ouais. J'espère qu'il va pas péter ma board. Putain! Ça, ça annonce une bonne session, mec. Non!
c'est débile. Tellement violent. Oh.
bien la surfer. Je subis pas mal encore là. Avec la vitesse et tout, c'est compliqué à gérer. Il y a plein de petites vaguelettes sur la vague. Faut que j'essaye de mettre des turns. Hier, c'était un peu plus. Je pense que ça va descendre. Ça va être un peu plus facile pour faire des manœuvres sans les petites vaguelettes. Mais ça, c'est sûr grave. Hein. Dinguerie gros. Oh non. J'ai mis un turn genre un quart et là plus. Mentalité, prêtez jamais vos boards à vos potes. And you know, 2 months ago I went to la Grande. Puissant ici, du coup vous l'avez pas vu hier parce que j'ai pas pris la GoPro parce que déjà c'était plus solide qu'aujourd'hui et en plus de ça c'était notre première session, on voulait tâter un peu avec les locaux, discuter avec eux, voir déjà si ça allait déranger la GoPro etc. Mais ouais, on s'est bien fait déboîter et vous l'avez pas vu mais Léon a pété sa board qui était toute neuve, c'était sa première session, il l'a complètement explosé en deux et là au final je lui avais prêté ma board parce que la sienne était un peu petite là pour les vagues qu'il y avait et du coup la mienne était un peu plus litrée, un peu plus grande. Du coup je lui avais prêté ma board et il l'a aussi plié ce chacal. Enfin c'est pas de sa faute mais vas-y ça fout trop le seum. Ça fait 2 jours qu'on est là, on a déjà pété 2 boards sur les 4. Donc c'est vraiment vraiment chiant. Si vous vous rendez pas compte mais c'est vraiment surpuissant les vagues. Mais bon on espère qu'on va finir le trip avec au moins une board chacun. Ça va être compliqué. Au moins le retour, le board bag il va être plus léger. On est les plus courts dans l'eau, les gars ils nous ont tous demandé en combien on était, ils sont tous en 6-6, 6-8, 7 pieds. Bon il y en a ils sont carrément en gun. Et nous on est en 6-2 et 5-10 quoi. Mais bon, on pouvait pas mettre d'autres boards, déjà on avait pas trop d'autres boards et puis il n'y avait pas trop la place dans le board bag. Okay. Il y a tout le monde qui s'est fait exploser.
fait une heure qu'il n'y a plus de vague. Après, ça fait vraiment une heure, ou au moins une heure et demie, qu'il y a eu 3 sets de une vague. Et sinon, là, on pêche un peu tous. Hein. Je voulais prendre une dernière vague pour sortir. Ça commence à faire long là. Ça me fait chier d'entrer à la rame maintenant. J'aurais bien aimé en prendre une petite dernière avant. On va attendre encore un peu, mais bon, sinon. Yo, je suis youtubeur maintenant, juste pour vous montrer à quel point c'est magnifique. Et là, il y a la vague. Bon, content, 2 jours, 2 boards, nickel le type quoi. Ah non, les vagues ici elles sont vraiment vraiment puissantes, et puis je pense qu'il a vraiment pas de chance aussi. Mais bon, c'est cool quand même, bonne petite session. Là on va aller checker un autre spot, en espérant que cette fois ce soit la bonne.